petites épaules, tout cet espace ouvert devant eux. C'est comme des couteaux qu'ils ont dans le dos. Ah, c'est simplement, la pièce raconte l'évasion, le départ d'une jeune fille dans un milieu étriqué, dans un milieu compliqué pour elle, irrespirable, étriqué, difficile, domestique. Elle partit, et comme un brin de pain, l'espoir lui, et le soleil crève les nuages gris. Sous lesquels elle voyage, vole, s'enfuit, elle est partie. Le dégoût. Le dédain, la haine sont les rois mages d'une vie débarrassée de sentiments salissants. Elle s'en est allée et ce sont toutes les routes qui s'ouvrent comme des fesses d'ange. Un air étrange l'enivre, enfin libre, elle sourit. C'est pas malin, malin. Ah, je m'enfuis, je suis partie. Une crotte de lapin roulée sur le bitume en pente. Cette pièce, elle appartiendrait à une couleur qui serait plus épique, qui serait une couleur un peu fantasque, un peu épique, avec des dizaines de personnages, avec des apparitions, avec des emprunts aussi. Beaucoup d'emprunts et beaucoup de citations. Elle est partie, à tout elle aura dit non jusqu'ici. Elle dira oui, même si par ici. Ça fait un peu peur, un peu froid aussi. Elle dira oui. J'ai pensé ce matin à la mort et à passer chez le coiffeur. Mais quand les journées sont si courtes, j'attends et je regarde la pluie au dehors griffer les carreaux. Et je fume. Avec Marie, depuis plus de 20 ans, on chante ensemble autour du piano. L'amour démange et gratte et brûle et paralyse. Ça pique et ça fait mal dans les yeux, dans le corps. Ça fait froid, ça fait chaud, ça fait peur et ça passe. Et ça laisse comme après un lavement trop froid. Le cabaret réunit une trentaine de chansonnettes. Des plus improbables. Fucking song for the fucking articles. Parle de pitié pour les mortels, les puces et les puceaux. Même combat les vers de terre, les poulets collés en tête, les purées et les soldats. Même combat. La vie pue le ton et la bière brûle. Les hommes puent. Charogne aux deux colonnes, ils puent toujours. La vie sent le gras, le four et le four. Oh. C'est un linge sale qu'on remet. To begin an homage, she was the writer of the little music of love. J'aime la pine, cela me démine, me démine et me démine. Lorsque c'est comme ça, à part un objet flottant non identifié, j'ai pas de réponse. C'est du théâtre, non. C'est du cabaret, non, pas seulement. C'est un spectacle de chansons, pas vraiment. C'est drôle, oui, mais pas seulement. Mon nom s'appelle Paulette, mais tu m'appelais Paulette, et c'est ça qui est chouette. C'était le temps, t'en souviens-tu, la scène au bord des quais perdus. Combustible engageant. I don't give a fuck to these medicines. All the world tries to break my dreams.
I am the Nave Caterina. Pierre Note au rond-point, c'est, oui, c'est une évidence, surtout dans le thème théâtre et musique qu'on a cette saison. Et puis c'est surtout, oui, ça aurait pu être une évidence avant. C'est quelqu'un qui est vraiment un homme de théâtre, qui invente, qui a la grâce de l'ailleurs, qui a le culot des mots, qui a la sincérité de sa propre personne, de ses extravagances, de ses différences, et qui les dit. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui compte et dont on a besoin. Pierre ? Très, moi, je la trouve très, très jolie, quoi. Celle-ci me frôle le téton et l'excite. C'est surtout ça. Ouais, c'est surtout ça, moi. Que voulez-vous ? Vous ? Vous, moi, pourquoi pas nous? Comment poser, vous? Mais quoi? Je vous ai vu là. Et quoi? Vous m'avez ému. Et vous m'avez voulu. Je n'en peux plus. Ce que je peux dire, c'est que Pierre est un vrai chansonnier, encore une fois. Donc, enfin, on n'en connaît plus beaucoup aujourd'hui en France. Et. Il y a voilà, le concept de la chanson, je trouve qu'il est vraiment allé voir très loin dans ce concept-là, dans le mariage de la mélodie et du texte ciselé pour aller sur cette mélodie-là. Et je suis très admiratif de ça parce qu'il n'a aussi eu aucune formation de musicien et il compose des chansons qui sont presque parfaites dans la forme, comme le faisait Brassens ou Brel, enfin on est tout en ayant sa propre patte, lui, évidemment, qui est fabuleuse. Hein. Des fesses, jamais ne laissent échapper leurs secrets et leurs mystères et leurs travers. Ils s'accomplissent, ils se remplissent à fond jusqu'à vivre tout au bord de l'explosion. Ils gonflent et glosent, pleins de leurs choses, rentrer leurs angoisses et leur peur d'être enculés. Mais un jour ils explosent. Tel est le son des êtres trop du cul fermé. Et la mouche, tiens, qui vient renifler tes cannélonies. La pièce parle d'une chose très simple, qui est le projet d'accomplissement d'un individu dans un milieu, un carcan, un écrin qui lui est hostile. Viens vers maman, qui croit en la force de l'union des peuples et des richesses partagées. Charles, viens voir papa, qui croit en l'homme providentiel, au héros de la France, dont tu portes le nom. Tu ne l'appelleras pas Charles, mon enfant. Mon enfant, nous l'appellerons Ingrid, ou Anastasia, plutôt Ingrid. Mais Charles, ça jamais. Cet enfant s'appellera Charles. Ça, jamais. Non, Gérard comme son père, prénom Charles comme le général. Charles Gérard. Charles, jamais. Gérard. Prénom Philippe, je m'appelle Philippe Gérard, je m'appelle Philippe Gérard, je m'appelle Philippe Gérard. Non, Gérard, prénom Philippe, tes parents voulaient faire de toi une vedette. Tes parents voulaient faire de moi quelqu'un d'autre. Ah, j'ai qualité. 22 ans, sans attache. Tu n'as rien trouvé de mieux à faire de ta vie? Je suis là pour commencer à la vivre, après on verra. Sous la toute nouvelle toile, du tout nouveau chapiteau, du tout nouveau cirque phénix ex-prométhéor. Je n'aime pas les secrets, je ne veux pas de problème. Il m'a promis qu'il dévoilerait tout demain, il m'emmène dans une église. Je ne veux pas d'histoire. Il m'a dit qu'il fallait une église. Donc il n'a jamais mis les pieds dans une église, je ne veux pas d'histoire avec le bon Dieu. Un ange passe, mon cœur casse. Gérard, Philippe, Fanfan, Nétano, parmi
petit déjeuner, maman m'embrasse dans le cou. Elle me dit bonne journée et je vois sur sa joue cet amour et le chagrin cette nuit ont coulé. Hier, son prince d'Avignon s'en est allé. Comment ça va aujourd'hui? Moi, j'ai commencé à mettre au piano parce que j'avais pas de voix quand j'étais enfant. J'étais à faune, je pouvais pas parler. J'avais beaucoup de mal à parler, à m'exprimer. J'avais pas de voix du tout, en vérité. J'avais une voix totalement éteinte et voilée. Il y a deux femmes en moi. Il y a deux femmes en moi. Il y a deux femmes. Il y a deux femmes en moi. Il y a deux femmes en moi, il y a deux femmes, et je balance de l'une à l'autre, sans être l'une, sans être l'autre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, tout ça, ça me fait chier. Elle était bien ou pas? Attends. C'est révolutionnaire. C'est pas mal, hein? C'est... Ouais, c'est bien. Hein? Chiki chiki boum et chiki ba. Ok. Soit. Non, le premier chiffre de la vraie calée. L'une c'est Ingrid Bergman dans Anastasia. L'autre c'est quiconque et personne comme vous et moi. L'une c'est Greta Garbo, Sylvain ou Mangana. L'autre c'est celle qui demande quand son tour viendra. L'une c'est la lumière, c'est le bruit et c'est l'éclat. L'autre c'est l'ombre et le silence, c'est le quant à soi. Il y a deux femmes en moi. Il y a deux femmes en moi.
roulement est grand de long. Jamais la plus collée divina. Mogema sa j'en Je suis la de neuve Catherine. Catherine de neuve dorénavant. In my lovely dress of mousselina. With my long hair blowing in the wind. My red lips and my milky white skin. My eyes so blue they always draw you in. I shine like the sun above the city, more than Mars or Argent Ajani. I am the Geneva Caterina, Catherine Deneuve so obviously. I am strolling down the Champs-Élysées, after shopping at Yves Saint Laurent. Now I'm sipping wine outside a cafe, I live so Catherine Deneuve mon. I don't give a damn about the doctors who tell me my identity is wrong. I'm the one and only Caterina, de nouveau définitivement. Bardo was a brilliant seductress, Garbo the divine in black and white. Marilyn Monroe brought men to their knees, all the stars and starlets shine so bright. All the idols shine up in the heavens, but one divinity remains on earth. I, the one and only Caterina, Catherine Deneuve, absolument. De nouveau, définitivement. Catherine Deneuve, absolument. De nouveau, définitivement. De nouveau, définitivement. Un petit garçon passe par là. Quand soudain les pierres des murs se fissurent, ils vont fissurer les murs vont pour tomber. Quand sur les murs tombés, la pluie perdure, sous la pluie, les rues sont inondées. Quand sous l'inondation, les sols s'éboulent, quand s'en vont au loin, les sols éboulés. Quand les éclairs de l'orage défoulent, sous l'orage. Le truc, ce sont des courtes scénettes, un peu comme des sketchs, qui racontent différentes histoires, qui mettent en scène tantôt des contes ou des anti-contes, des faux contes, tantôt des personnages un peu pittoresques. C'est comme des petits contes pour enfants, mais qui sont détournés. Je suis princesse solitaire, célibataire, égoïste, narcissique et suffisante, et c'est très bien comme ça! Tout plein, le pauvre petit peu pas placer en roi-roi. Hein. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Oh, pompon! Tu as encore fait brûler la sauce et péter la cruche? Tu n'entends pas comme il m'acclame. Il crie mon nom et des bouquets de mots bizarres. Ce que vous prenez pour des louanges? Ce sont des sacs à caca en forme de mots que vous ne comprenez pas. Ma reine, l'histoire de France vous apprendra qu'un peuple aime toujours son roi. Bon, c'est bon. Dehors, par ici, à sortie. Petit piano. Ah non. Quoi, 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 quoi. Et parfois, ce sont des histoires difficiles, et parfois, ce sont des histoires dures, parfois, ce sont des histoires drôles, mais ce sont des histoires qui permettent de dormir tranquille. Ce sont des histoires qui apaisent aussi et qui rassurent grâce à la voix de celle ou de celui qui les raconte. Quand les vents froids d'octobre tournent, quand les vents des jours heureux ont tourné, quand les rayons du soleil...
Ça commence. Mal. Ça finit. Pareil. Le cri. Oh. La chute. Ah. La mort. Et. Mais bientôt. L'héritage. Les surprises. Les mauvaises surprises. Mais aussi. La tendresse. L'émotion. L'amour fraternel. L'instinct maternel. Vous tremblez, dit-elle. Est-ce l'hiver? Vous m'inquiétez. Ça, c'est la boîte. La boîte des boîtes. Merci, madame. Merci, madame. Elle est solide. Il vaudrait mieux. C'est leur anniversaire de mariage. À nos parents. Et 30 ans de vie d'amour ensemble. Et nous avec. Alors on s'est dit comme ça, allez hop. Le beau cadeau. Le plus beau des cadeaux, bah, c'est nous. La nouvelle pièce drôle et noire de Pierre Note. Sortir de sa mère. Un titre insolite pour une pièce insolente. Un titre insolent pour une pièce insolite. Sortir de sa mère, la nouvelle pièce tendre et géniale de Pierre Note. Quand on entend craquer les passants mal passés, j'ai le cœur qui casse. Et quand de mes pareils, j'entends la raison craquer, j'ai le cœur cassé. J'ai le cœur cassé. Deux acteurs d'exception et l'auteur au piano. Une farce mordante pour une saga familiale. Une farce familiale pour une saga mordante. Les enfants. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Je veux partir. Je ne vous juge pas. On vous juge pas. Personne ne vous juge. Surtout pas nous. Faut dire que toi. Comment ça moi? Toi et ta mère. Bah quoi ma mère? Oh rien ta mère. Nous tout ce qu'on dit, c'est que quand on a sa mère dans cet état, peut-être qu'on peut ne pas, vous comprenez, la laisser comme ça partir en vrille. À voir. En famille. En juillet. En short. En Avignon. Ah, Avignon. À 18h20. Aux Trois Soleils. Sortir de sa mère. Avec Brice Hillet, Chloé Oliveres et l'auteur lui-même. Je t'aurais bien invité. Comme une souris dans une rage.